Hey, et donc salut tous les amis, c'est Gogo08 et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo explicative de pourquoi, enfin une petite annonce en fait, pourquoi je vais arrêter la série sur Exoria. Alors, déjà, je pense que certains ne sont pas au courant de que j'arrête la série sur Exoria, donc je vous invite à aller dans la description et à cliquer sur le bouton pour rejoindre mon serveur Discord, parce que sur ce serveur-là, je vous pose des questions sur la chaîne, je vous dis les nouvelles, je vous annonce certaines choses. Donc n'hésitez pas à aller dessus, tout est mentionné, tout est marqué quand je fais des lives, quand une vidéo sort, donc vraiment... si vous voulez être au courant de tout sur la chaîne, rejoignez mon serveur Discord. Donc ça, c'était dans un premier temps, voilà. Et maintenant, pourquoi j'arrête Exoria? Alors, c'est pas de question d'une démotivation, de je n'aime plus le pack ni rien. Bien au contraire, je suis toujours hypé de faire du Exoria. J'aime beaucoup ce mode pack-là, mais néanmoins, il y a quelque chose qui me dérange. C'est que je fais ça, je passe énormément de temps pour faire une vidéo d'Exoria. Il en reste encore une de vidéo d'Exoria qui va sortir lundi, donc lundi 17 septembre. Il y aura encore une dernière vidéo d'Exoria qui va sortir, mais au niveau des vues, ça ne va plus. Au niveau des pouces, tout ça, ça ne va plus du tout. Sur les vidéos d'Exoria, pour vous dire, on frôle à peine les 500 vues. La dernière vidéo, j'en parle même pas, on n'est même pas à 400 vues. On est à 364 vues à l'heure actuelle. C'est... passer autant de temps sur une vidéo et voir qu'au résultat la vidéo ne plaît pas ou la personne ne regarde même pas la vidéo, ça me désole un peu et ça me démotive grandement. J'ai posé donc la question sur mon Discord et une plus grande majorité parmi ceux qui aiment Exoria et qui veulent que je continue Exoria m'ont dit d'arrêter et m'ont précisé certaines choses, notamment, et je suis entièrement d'accord avec eux, c'est l'univers d'Exoria est beaucoup trop sombre, beaucoup trop... enfin, je sais pas comment expliquer ça. En fait, c'est pas qu'on s'ennuie, c'est qu'on déprime. Oui, c'est qu'on déprime parce que l'univers d'Exoria est beaucoup trop sombre. Et du coup, vu que c'est sombre, on n'a pas, en fait, ça nous motive pas et ça... comment dire ça? Ça nous endort un peu. Et du coup, je pense que ça vous a endormi et vous avez arrêté carrément la série. Ça, c'est dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, pourquoi vous ne regardez plus la série? Et j'en suis sûr, vous pourrez me le dire d'ailleurs dans les commentaires, hein, ceux qui ont arrêté la série sur Exoria, ceux qui ne regardent plus Exoria et ceux qui ont des commentaires à faire sur Exoria, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et j'en suis sûr aussi que c'est parce que on ne voit pas beaucoup d'industriels pour le moment. C'est parce qu'on est encore à l'âge, on va dire primaire, avec beaucoup de choses manuelles et beaucoup de farms du coup, vu que c'est manuel. Et du coup, c'est pour ça que ça prend du temps. On n'a pas beaucoup de choses industrielles pour le moment. Ça devrait venir normalement. Enfin, du coup, non, ça viendra pas en vidéo, mais de mon côté, ça viendra. L'épisode qui sortira lundi, lui, sera un tout petit peu industriel. Et j'ai passé, pour vous dire, 3 heures à tourner cet épisode-là, donc l'épisode 17 qui sortira. L'épisode 17 qui sort le 17 septembre. Peut-être le sortir à 17h du coup, comme ça fera 17, 17, 17. Bon, trêve de plaisanterie. Donc oui, on va voir un système d'énergie. Et vous allez voir que pour tous les crafts que j'ai fait, toutes les ressources que ça m'a demandé, on produit quelques RF particles. Même pas une dizaine de RF particles pour vous dire. Donc voilà. Donc c'était juste pour vous dire que j'arrête Exoria et que du coup, à la place d'Exoria... on va pas commencer un autre modpack parce que ça, j'ai plus envie de faire plusieurs modpacks à la fois parce qu'on se perd et la preuve est encore ici. Si un modpack ne plaît plus, il n'y a plus de vues sur cette série-là et les vues viennent sur l'autre série, enfin et encore. Donc je préfère me concentrer sur une seule série maintenant. On va faire une seule série, on va tryhard, enfin on va pas tryhard le modpack, mais on va bien bosser sur le modpack actuel. Une fois le modpack fini, on passera sur un autre modpack, mais on n'en fera qu'un seul à la fois, sachant qu'on a toujours un autre modpack pour les lives. Donc comme ça, on n'a que deux modpacks pour la chaîne. Et du coup, là, c'est plus pour vous, et je pense que vous allez apprécier. Maintenant, il n'y aura plus que... je vais dire n'importe quoi. Et avant, on sortait deux vidéos par semaine. Une le mercredi, une le samedi. Soit une vidéo d'Exoria le mercredi, une vidéo de Let's Play le samedi. Maintenant, ça va changer, il y aura 3 épisodes de Let's Play, enfin de Let's Play,
de séries modées sur la chaîne. Donc là, par exemple, on est sur Enigmatica 2. Il y aura donc 3 épisodes par semaine d'Enigmatica 2. Donc je pense que ça pourrait vous faire plaisir. Ça fait à peu près une vidéo tous les 2 jours. Donc soit une le samedi, ça ne change pas. Une le mercredi, ça ne change pas. Et du coup, j'en rajouterai une le lundi. Du coup, ça fera samedi, lundi et mercredi une vidéo d'Enigmatica 2. Et comme ça, on va pouvoir bien avancer sur le mode pack. Donc j'espère que vous ne serez pas trop déçus de l'arrêt d'Exoria et vous serez content que je fasse un peu plus de vidéos sur la chaîne, donc un peu plus de contenu sur la chaîne au niveau du let's play sur Enigmatica 2. Donc voilà, donc c'est à peu près tout pour moi pour cette vidéo, pour cette vidéo explicative. Donc n'hésitez pas à me parler de si vous avez des remarques à faire ou des choses comme ça dans les commentaires. Et n'oubliez pas aussi de rejoindre le serveur Discord, c'est très très important. Donc sur ce, moi je vous dis à la prochaine, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve donc très prochainement pour du Enigmatica. Donc voilà, allez, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée si vous regardez cette vidéo-là le matin. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, allez, ciao, bye bye, salut les amis.